la Jubaudière, on pense à la Tennis et on pense à un grand champion que vous êtes. Bonne journée. Alors, monsieur Gilles Leroy, conseiller général. Bonjour à tous. D'accord. Élodie, donc, je l'appelle toujours Élodie, la Miss France des téléspectateurs. Voilà. Bravo. Bravo. Noël, notre grand champion. Oui. Miss France. Alors, Franck et Gilles vont enlever le drapeau, d'accord. Et puis, on va demander à Élodie et Noël de découvrir la place. Alors, on dévoile. Voilà. Voilà. Noël. Alors, Élodie, vous êtes ici. Et puis. Allez, bravo. Gardez la Noël. Voilà. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de recevoir. Bon, Élodie, ça c'est une évidence. Noël, excusez-moi Élodie, mais encore un peu plus parce que pour beaucoup d'entre nous, certains d'entre vous avaient très bien connu Noël. Moi, c'est la deuxième fois que je le rencontre. Et en fin de compte, beaucoup d'entre nous qui ne sommes pas originaires de la Jubaudière ne savions pas forcément qu'on avait un enfant de la Jubaudière qui a eu un palmarès, j'allais dire, titanesque. Vous le verrez tout à l'heure, Jean-Michel vous retracera un peu son palmarès. Et de retrouver Noël parmi nous à la Jubaudière et en l'honorant, eh bien, écoute, c'est un très très grand plaisir, Noël. Très très grand plaisir. Bravo en tout cas. Ah bah oui. Oui, mais c'était sur des terrains de sport, c'était différent. Non, je les donnerai tout à l'heure. Après. Et puis, je vous ferai une petite rétrospective du... Non, on laissera la parole à Noël. À Élodie, on lui laissera la parole plutôt cet après-midi au défilé de mode, à Élodie. D'accord ? Franck, c'est à toi. Mais dévoiler une plaque, c'est une chose. Dire quelques mots, c'en est une autre, parce que Noël, si vous êtes ici, c'est parce que y a un centre de gens de la Jubaudière qui, la preuve de votre famille, mais d'autres voulaient vous montrer à quel point nous sommes attachés à votre histoire et au fait que vous soyez un enfant de la Jubaudière. Noël, c'est réellement un grand plaisir et un véritable honneur que de partager ce moment avec vous. Vos exploits sportifs marqueront non seulement le livre des records, mais la petite histoire de la Jubaudière. 7 titres de champion de France de cross-country. Quand on connaît l'exigence mentale et physique de ce sport, on mesure mieux la dimension de la performance. Vous avez été, et vous êtes toujours, l'antithèse du sportif people, dont l'égocentricité fait perdre tout sens des réalités. Certes, l'époque de vos exploits ne mettait pas en lumière les sportifs comme elles font de nos jours. Pour autant, il aurait été facile de verser dans le fanfaronnage. Il n'en fut rien, bien au contraire.
Toutes les personnes qui m'ont parlé de vous ont été unanimes sur deux de vos principales qualités, à savoir simplicité et discrétion. Vous êtes bien un homme des Mauges, dur au mal, qui ne fait pas de bruit, mais qui va, par sa ténacité, de l'avant. En inaugurant cette salle des sports, nous sommes conscients que nous bousculons probablement votre humilité. Mais acceptez-le plutôt comme un gage de reconnaissance et d'admiration, non seulement de la municipalité, mais surtout, surtout des Gibaudois. Cependant, je vous dois des explications sur le fait que nous nous retrouvions aujourd'hui ici, devant cette salle, ou plus exactement dans la salle, parce que quand j'ai écrit le mot, j'ai dit tiens, on sera dehors, mais non, c'est dans la salle, et vous donnez par là même les noms des responsables de cette heureuse initiative. Il s'agit de Jean-Michel et Josette, qui, comme vous le savez, sont deux des 10 chevilles ouvrières du livre La Gibaudière de 1980 à nos jours, où votre parcours sportif y tient une place importante. Tous deux m'ont, dès notre élection, sensibilisé au fait de donner votre nom à un édifice public de la commune. La salle de sport semblait être tout désignée pour cela. Je vais donc bien volontiers laisser la parole à Jean-Michel qui, de par sa sensibilité sportive et l'admiration, je dis bien l'admiration qu'il vous voue, parlera de votre parcours d'athlète mieux que quiconque dans le conseil municipal. En tout cas, Noël, bravo et merci de votre présence. J'ai laissé la parole à Gilles qui va forcément nous dire deux petits mots parce que quand même, je crois que c'est la première fois que tu viens en tant que conseiller général à la Gibaudière. C'est possible, je crois. Donc Gilles est nouveau conseiller général donc sur notre circonscription. Donc je lui laisse bien volontiers la parole et je le remercie de sa présence. Merci. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est un réel plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a plusieurs choses qu'on célèbre, le sport, le charme, la séduction, et puis une entreprise qui est intéressante, une initiative qui est intéressante ici à la Gibaudière. Bon, je vais développer trois choses. Bon, une démarche, et puis après on parlera du sport, et puis... De l'athlète qui est à l'honneur aujourd'hui. Alors, cette démarche est très, très pertinente parce que je trouve souvent on va chercher midi à 14h pour donner des noms à des rues ou à des salles de sport ou à des équipements publics, alors que souvent il faut mettre à l'honneur les gens du CRU, les gens d'ici, les gens des Mauges, comme tu disais. C'est un clin d'œil aux générations passées, c'est un clin d'œil aux générations futures. Et puis, en effet, il y a les habitants qui sont là, du CRU, et puis il y a tous les nouveaux arrivants. Et je crois que dans quelques années, on dira, tiens, il y a une salle Noël Tijoux, je crois que les gens auront envie de savoir qui était Noël. Alors voilà, c'est cet esprit au niveau des dénominations de rue, d'équipements sportifs ou d'équipements publics, je crois que c'est une démarche très très intéressante, patrimoniale, dans l'immatériel, de se projeter comme ça, à la fois dans le passé, le présent et surtout l'avenir. Je voudrais saluer aussi un sport, parce que comme tu le disais, le cross-country, c'est un sport exigeant. On évoque souvent la solitude du coureur de fond. La ténacité, le sport individuel, sûrement des heures d'entraînement tout seul. J'ai cru surprendre une conversation tout à l'heure de personnes qui vous ont connu lorsque vous étiez jeune et que ici, le soir, vous alliez dans les champs courir. Et souvent seul, parce que le cross-country, c'est d'abord une épreuve contre le temps, contre l'effort, contre soi-même, contre la fatigue. Et en même temps, il y a la compétition, en même temps, il y a l'émulation, il y a le dépassement en permanence. Et quand je vois comment vous êtes aujourd'hui, vous êtes un bel exemple pour nous au niveau de la taille, parce qu'on voit que le sport, ça conserve. Tu l'évoquais, et je pense que Jean-Michel va revenir dessus, le palmarès de Noël, pendant 10 ans, vous avez dominé l'athlétisme français, et en particulier le cross-country. J'ai vu là sur la pancarte 1967 à 1977 avec un titre de champion de France. Je crois que c'est assez exceptionnel dans le palmarès des sportifs français. Je ne peux pas dire grand chose, mais
je vous remercie tous. Bon, la municipalité, bien entendu. Hein? Et puis la famille, et puis tous ceux qui sont présents dans la salle. Je suis très fier. Très fier. Bon, ça ira mieux tout à l'heure. Je pourrais parler un peu plus. Je vous prie de m'excuser de reprendre la parole. J'avais une petite anecdote à vous soumettre. Lorsque j'étais jeune collégien à la Pommeraye, on avait lancé une petite section athlétisme au sein de la classe, et je vous le donne en mille, on l'avait appelée section Noël Dijoux. Voilà. Oh, ça fait plaisir. Bon, alors Noël, moi j'avais la chance de retracer un peu ton parcours. Moi je vais te dire quelque chose, je suis venu ici en 1963 pour la première fois à la Jubaudière. Et j'ai couru au cross où il y avait Mimoun, Michel Zazi, tout ça. Et j'ai couru avec Daniel, ton frère, j'ai du même âge que Daniel. Et puis, quand j'ai été affecté comme professeur d'éducation physique au Messurève, je voulais pas habiter au Messurève. J'ai été marqué partout à Noël et j'avais envie de venir à la Jubaudière parce que il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait que quelques sports qui étaient médiatisés dans les journaux. Il y avait le foot, le basket, le cyclisme et la course à pied prenait une grosse part. Et dans toutes les semaines, dans les journaux, il y avait des articles de toi. Toutes les semaines. Et à la télévision, il y avait des grandes émissions de 3 ou 4 heures, on en parlait ensemble hier, Noël, et l'athlétisme était très très télévisé. Noël me disait hier, tous mes championnats de France ont été télévisés en direct. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à la télévision. Et c'est vrai que la course à pied, c'est le goût de l'effort, et c'est vrai que c'est mon rôle, moi, à l'école, de faire courir les élèves, leur apprendre pourquoi ils courent et tout ça, c'est pas toujours facile. Alors maintenant, j'ai retracé ton palmarès, Noël, et j'ai prévu une petite plaquette pour tout le monde, sur le palmarès de Noël. Alors j'ai marqué Noël Tijoux le plus titré. Noël Tijoux est le meilleur spécialiste français de tous les temps en cross-country, avec Driss L. Himmer, qui l'a rejoint cette année. Après plus de 30 ans, 7 fois champion national dans cette spécialité, il devance aujourd'hui au palmarès Gaston Racknaud durant les années 1900, Raphaël Pusajon durant les années 40 et Alain Mimoun durant les années 60. Ce dernier a été élu le meilleur sportif du siècle en France, Noël, tu le sais. Cette performance, il la doit à sa volonté exceptionnelle, car depuis sa tentative malheureuse contre le record de France de l'heure et des 20 km en mai 1974, le Jubaudois a connu tous les déboires. Victime d'une tendinite au genou droit, contraint de soigner son épouse gravement malade, il brava tous les obstacles de la vie pour réapparaître à la surface lors des championnats de France de Fontainebleau en 1977. Pour son 14e national, il s'octroyait sa 7e victoire à l'âge de 35 ans. Je dis 35 ans parce que le championnat de France était en février, c'était dans ta 36e année, Noël. Coureur à la foulée économique, il défraya la chronique en réussissant une course historique de l'heure et les 20 km piste le 14 octobre 1972 à Colombes. Au cours de cette soirée, il réussissait la 4e performance mondiale de tous les temps, 20 km 285 sur l'heure et 59-11-8 sur 20 km. Derrière, le Belge Gaston Rollens. 20 km 784, le Britannique Wright, 20 km 340, et le Finlandais Tuominen, 20 km 292. Il demeure aujourd'hui sur les tablettes des meilleurs mondiaux, précédant même le prestigieux australien Ron Clark, 20 km 232. Noël Tijoux a pratiqué l'athlétisme plus de 40 ans, et fait preuve, malgré son renom national, d'une très grande simplicité.
J'ai Rodrère Noël, on aurait aimé qu'il soit plus reconnu au niveau international. Là, ça va mieux maintenant, beaucoup mieux. J'ai tout palmarès. Vous avez le palmarès, j'ai pas tout lu. Hein. C'est immense, le palmarès. Ben oui. Et oui, ben, le palmarès, il a commencé tout jeune, en fait. La première petite compétition, si on peut dire, on l'a faite ici, entre copains. On ne savait pas ce que c'était, d'ailleurs. Un jour, on avait décidé, pendant les vacances, on fait le tour de la place, là, de près de l'église, et celui qui courrait le plus longtemps. Bon, ben, tous les copains savaient que j'allais certainement gagner. Eux, ils le savaient, mais moi, je ne le savais pas. Alors, nous voilà partis. J'étais tout seul, mais je ne le savais pas, parce que la place était entourée de grands platanes, et on ne voyait pas. Alors, on m'a dit, ben, arrête Noël, arrête, t'as gagné maintenant, tu as gagné. Bon, je dis non, moi en courant, je voulais pas m'arrêter parce que je voulais pas être surpris par un qui était planqué ou quelque chose comme ça. J'ai dû courir peut-être une demi-heure, mais à l'époque, je n'avais qu'11 ans, quoi. Mais je courais sans m'en apercevoir. Puis à un moment donné, ben, je me suis crocheté dans un caillou et je me suis affalé par terre. Bon, j'avais les mains, les genoux en sang. Et là, j'ai bien été obligé d'arrêter, mais j'avais gagné largement. Et puis par la suite, ben, il y a eu une course dans le parc du château. Il y a eu un cross avec des clubs automatiquement, mais moi j'étais Benjamin. C'était ma première vraiment course, course. Terminé troisième, j'étais licencié, on m'a demandé à Villedieu-la-Blouère, un petit club. Et puis là, ben, j'ai fait mes débuts, Benjamin, minime, et première année cadet. Première année cadet, premier au départemental, championnat du Maine-et-Loire. J'étais qualifié pour aller au championnat de France à Lille, mais Lille c'était trop loin, le club n'avait pas les moyens de m'envoyer là-bas, puis alors ça coûtait cher. Et les 60 premiers étaient remboursés au point de vue par la fédération, mais personne n'avait trop confiance en moi, j'étais un tout petit débutant. Avec un coureur de Chalonne, j'y suis allé, avec l'appui de papa et puis de M. Chéniaud qui sont cotisés pour me payer le voyage. J'arrive là-bas, mais perdu, complètement perdu, quoi. Je prends le départ, bien sûr, comme tout le monde, on était plus de 200. Et j'ai fait une bonne course, mais je ne savais même pas où était l'arrivée. Alors, à un moment donné, ben, on me dit, ben, ça y est, t'es arrivé. Oh, ben, d'accord. J'avais terminé quatrième, comme ça, quatrième en France. Moi, j'étais étonné, bien sûr. Monsieur Humeau, Robert Humeau, j'avais pris contact en arrivant à Lille avec un commerçant pour que je donne mon résultat aussitôt après la course. Alors je suis revenu à Lille par le tramway, c'était sur un hippodrome là-bas. Et je suis arrivé dans le commerce, on a téléphoné, mais moi je n'arrivais pas à téléphoner parce que j'avais jamais téléphoné, alors je n'entendais rien dans le téléphone. À propos du téléphone, voilà, excusez-moi de couper, mais on a une surprise pour vous, quelqu'un au téléphone. On l'a dit direct, voilà. Un de tes amis qui voulait t'appeler Noël. Voilà. Alors on va essayer de mettre le micro devant. Alors tu vas essayer de découvrir Noël, qui c'est. C'était une idée de Josette. Le micro pour que tout le monde puisse entendre. Ben, au téléphone. Oui, ça déforme, c'est vrai, oui. Oui, d'accord. Oui, ça remonte loin. Hein. Mais moi, je n'étais pas un spécialiste de France, j'étais plutôt un pistard.
D'accord. Je sais pas si tu revois. Ah, alors, moi, je vais te dire. Jean Fayolle. T'avais des grosses moustaches. Oui, Gérard. Guy Texoro. Non, c'est Gérard, alors. Voilà. Ah, Gérard Verveur. C'est Gérard Verveur. Voilà. Qui a bien voulu lui téléphoner. C'est super. Oui. Ouais, je te remercie, hein, beaucoup. Nous, on était des petits, mais on a fait. Ouais, on est apparu tout doucement. Moi, disons que dans ton domaine, ces messieurs ne sont jamais aventurés. D'accord. Ah, tu vois, sur tes mille. Ah, ben non. C'était quand même tranquille. C'était ma spécialité, et puis j'en ai profité. Et puis... C'était dans ton élément. Hein, exact. Exact. Ouais, ouais, ouais. Mais je te remercie. Hein. Parce que bon, je devais venir te rendre visite aujourd'hui. Oui. Mais j'ai eu un empêchement au niveau de la santé. Mmh. Et bon, j'avais connu l'existence de ta petite fille. Mmh, bah oui. Mais tu sais. Par l'intermédiaire de mon frère qui est assez copain. Mais bon. Ouais, mais j'aurais été très honoré de venir te voir, quoi, et te féliciter de vivre quoi. Ben, là, ici, il y a beaucoup de monde et je suis pas mal ému. Ah oui, je m'en doute. Ben, d'accord. J'ai connu ça aussi parce qu'on a fait la même chose pour moi dans ma petite ville. Donc, je suis comme toi, j'ai une salle à mon nom, mais dans le petit village où j'étais, quoi. Mmh. Et je trouve que c'est sympa. Ah ben, c'est très, très, très sympa, oui. Hein? Ouais. Mais c'est justement mérité aussi, hein. D'accord. Bon, il faut le dire, avec le palmarès que tu as, on peut pas faire beaucoup mieux, hein. Allez. Voilà, on va couper la communication. Donc, c'était Gérard Verveur qui l'a appelé et qui devait être là avec nous aujourd'hui, à l'initiative de mon ami Josette et Jacques. Voilà, c'est eux qui ont eu cette initiative-là. Et malheureusement, il a eu un petit empêchement au dernier moment, et il tenait à l'oreille. Vous avez lu ce qu'a dit Gérard? Il a dit, t'as eu un palmarès vraiment sublime, et t'as pas été assez reconnu par rapport à ton palmarès. Il le disait tout de suite, Gérard. Voilà. Bon, que d'émotions, Noël, que d'émotions. Voilà, merci Josette, merci Jacques pour l'initiative. Bon, Noël, un petit mot. Élodie, on lui laissera la parole cet après-midi pendant le défilé de mode. Tu seras plus à ton aise, Élodie. Hein? D'accord. Et puis Noël, veux-tu nous dire encore un petit mot? Juste une petite anecdote. Enfin, ce qui m'est arrivé, c'était en 1960. Là, c'était dans les catégories jeunes, j'étais junior. Et le championnat de France avait eu lieu à Aix-les-Bains. Bon, là, j'étais déjà quand même, je n'étais plus un débutant. Je courais pour gagner, en fait. Hein? Ouais. J'avais l'ambition de gagner. Bon, c'était pas mon habitude, mais là, j'ai dit, il faut que j'y aille, là, c'est... Mais j'avais des adversaires et pas des très bons adversaires parce que je me suis retrouvé à plat ventre au départ. J'ai eu un croche-pied. Alors ensuite, j'ai remonté tranquillement et puis j'ai attendu mon heure. Et à l'arrivée, ben, j'étais premier. Alors ça a été le début de... Hein? C'était le grand début, quoi. Après, ben, y a eu les seniors, les rencontres internationales, les déplacements à l'étranger, partout. Quoi. Voilà. Voilà, ben... Tout ce qui a été raconté, hein, tout ce qui a été énuméré, il y en a tellement de... Hein? Bah c'est vrai que Noël, c'est 56 sélections d'équipe de France, c'est 5 titres de champion de France sur 10 000 mètres, et il a encore des records en vétéran. C'est incroyable. Il y a eu 2
championnat d'Europe. Et puis l'apothéose, c'était en les Jeux Olympiques, la participation aux Jeux Olympiques à l'Orlas. En 1972. Et une médaille de bronze par équipe au championnat de cross international. Ça, ça a dû te faire plaisir. Ah, oui, il y a eu plein de choses comme ça qui m'ont fait plaisir. Par exemple, une autre compétition, un France-Angleterre d'athlétisme sur 10 km. Oui, on nous a demandé aux deux Français si on voyait un inconvénient à ce que tous les meilleurs Anglais participent à cette course. Alors, ce n'était pas deux adversaires qu'on avait, c'était 30. Alors, on s'est dit, nous, mais oui, on va participer au championnat d'Angleterre en même temps. Et je fais troisième de la course. Alors, podium à l'arrivée, podium du championnat d'Angleterre. J'ai eu la médaille. Voilà, Noël. Quelle belle carrière. Alors, on vous a donné une petite plaquette. J'ai pas voulu revenir sur tout le palmarès. Vous avez tout le palmarès de Noël quand il était senior. Edith, elle était très, très sympa. C'est avec elle qu'on a communiqué pour pouvoir faire venir Noël aujourd'hui. Voilà. C'est grâce à Edith. Et puis, je vais vous dire quelque chose, j'ai encore une surprise à vous dire. Est-ce que tu sais, Noël, que ton petit frère Daniel, il est sélectionné au championnat de France? Il te l'a dit, hein? J'ai vu sur le journal, là, dernièrement, 1h29 et des poussières, sur 21 km. J'ai dit, dis donc, tu as fait une bonne performance. Il m'a dit, mais je suis qualifié pour le France. Ah, ben voilà, c'est bien. Bravo. Voilà. Alors, Franck, comment on procède maintenant? Tu veux dire un petit mot pour le vin d'honneur? Alors là, le plus simplement du monde, la table d'honneur va se trouver ici. En toute simplicité, vous venez jusque-là et on prend un verre ensemble avec Élodie, avec Noël et tout le monde. Voilà. Alors, pour ce qui est d'Élodie, on avait fait un petit salon à droite et puis je trouve qu'elle a froid là, dans ce petit coin. Je vais lui changer son salon, on va la mettre de l'autre côté. Et l'autre avantage aussi pour Élodie, c'est qu'elle sera près des filles au moment du défilé. Elle va pouvoir aller discuter avec la dame qui a organisé le défilé, qu'elle connaît bien. Et vous pourrez signer des autographes. Alors Élodie, on va tout lui déplacer des plantes vertes. Vous pourrez faire des photos avec elle. Et elle a emmené des photos qu'elle vous dédicacera. D'accord ? En plus, Noël sera aussi dans le salon de temps en temps. Vous pourrez lui faire signer la petite plaquette que je vous ai donnée. Et s'il manque des plaquettes, j'irai en faire d'autres à la mairie. Est-ce que tout le monde a eu sa plaquette? Qui n'a pas eu de plaquette? Merci, Gustave m'a donné des Alors, qu'est-ce que vous voulez prendre? À toute la... Bonjour à tous. Noël, Élodie. Vous avez quel âge? Ouais. J'ai pas vu sur la plaque 60. 8 au mois de décembre. 68 ans. Qu'est-ce que tu veux? Plus de l'union? On va leur dire rosé, gentil. Oui, je te disais tout à l'heure. Ouais, on ignore. Quand j'ai reçu la première fois une lettre de la fédération, cher ami, vous êtes sélectionné pour un match international. Sur 3000 mètres. C'est sûr, on ne se pose pas de questions. Hein. Quand on est jeune, c'est. Ah oui, c'est sûr. C'est quand on est jeune, c'est. Ouais. Hein? Après, bien sûr, arriver senior, c'est complètement différent parce qu'il y a plusieurs années où on ne peut pas accéder à tout ça. Mais c'est la ténacité, comme on dit. Ah ouais. Surtout dans ce sport. Hein, plus dans ce sport, c'est dur. Ben, je sais que c'est dur, mais moi, c'était dans mon tempérament, justement. Ce qui était dur, c'était ça. Quoi.
quand j'allais courir le soir après le travail, parce que bon, tout au début, je travaillais en usine à 7 heures du soir l'hiver, pas une lumière dans la commune. Les soirs d'hiver, alors moi je voulais pas courir sur la route, sur le macadam. Alors j'ai eu mon frère là qui est là. Il était à vélo derrière moi et il m'éclairait. Je cours sur l'herbe. On va tomber dans les roues, dans les scarpins. Ben, c'était une... Je savais que le macadam. Combien de Giboudière ? Elle a 89 ans, tu vois. Voilà. Et dimanche dernier, c'était le repas des aînés. Elle était la doyenne, toi. Émilienne n'a pas été du tout gentille, je suis un peu fâché avec elle. Vous n'avez pas été gentil avec moi dimanche dernier. Alors elle voulait venir aussi pour voir la deuxième dauphine. Elle m'avait demandé déjà depuis un petit temps. C'était important pour elle. Vous emmène. Oui, je de telle commune. Un super livre. Moi je suis secondaire aussi, mais du Nord. Alors là, c'est, je le dis tout de suite, c'est un Allemand de l'Est. De l'Est, à l'époque. Oui, hein. Ah bah ça prend pas du tout pour toi. C'est pas grave, bah, la recherche de la région. Tu as une mémoire. Il y a le virage, je ne sais pas si Paul. Oh là là, oh, c'est super. Thank you.
de la coiffure. Leslie aussi, avec le salon de coiffure des Nadine. Merci beaucoup pour votre accueil. Et nous nous retrouverons à 17h30 devant la Salle Omnisports pour le tour d'élégance avec les vieilles voitures. Et nous nous retrouverons ici pour un deuxième passage. Merci beaucoup. Bon après-midi. Des camions dans plus.